Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser le Sunshine Crossbody. Voici à quoi ressemble le Sunshine. Donc, il s'agit d'une petite pochette qui est très 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 personnalisable. Vous pouvez à tout à fait choisir du coton ici pour l'extérieur ou du coton aussi ici ou tout en vinyle, il n'y a aucun problème. Je vous montre le dos. Voilà, je vous enlève ceci. Donc c'est vraiment parfait si vous voulez faire des petits cadeaux à vos familles ou à vos amis ou même pour customiser quelque chose pour vos clients. C'est une pochette qui a quand même une dimension assez intéressante parce qu'on peut mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Je vous marquerai les dimensions en commentaire. À l'intérieur, je vous propose de réaliser une poche plaquée qui se trouve ici. Voilà, donc j'ai voulu le faire l'intérieur et l'extérieur du même tissu, mais évidemment vous pouvez changer ceci. Donc voici à quoi il ressemble de plus près. Il est tout à fait faisable pour les débutants, donc comme je dis à chaque fois pour les débutants, privilégiez tout en coton avant de passer au simili. Notamment vous verrez où se trouvent les parties les plus épaisses à passer en termes de machine, c'est pas évident pour tout le monde. Moi-même avec ma Janome HT9, j'ai eu un petit peu de difficulté ici. J'espère que le tuto vous plaira, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et à m'envoyer vos photos. Merci beaucoup, à bientôt. Donc je vous montre ici comment j'ai procédé pour l'entoilage. Toutes les pièces que j'ai découpées dans du tissu, dans du coton, donc je les ai entoilées. J'ai choisi de ne pas entoiler le simili cuir que j'avais en fait parce qu'il était déjà assez épais. Donc le designer conseille d'entoiler toutes les pièces de tissu hormis le simili cuir. Alors concernant cette pièce de patron, je vous invite à lire en fait la description du designer. Donc en fait, les inscriptions qu'il y a ici vont vous indiquer quelle pièce utiliser en fonction de si vous voulez utiliser une mousse qui touche justement les marges de couture ou non. Donc moi j'ai choisi d'utiliser la pièce de patron où la mousse va être en dehors des marges de couture. Donc comme vous pouvez le voir, concernant les pièces de côté, je ne les ai pas entoilées. Donc la première étape va être de rechercher tous les milieux de ces pièces. Donc on vient maintenant apposer la pièce de côté sur la pièce dos. On aligne bien les milieux, endroit contre endroit, et on attache le tout. Donc on procède de la même façon pour l'autre côté.
et on pique à 1 cm. On pousse les marges de couture sur la gauche et on réalise une surpiqûre à 3 mm. Donc on vient égaliser si besoin le bas et le haut. Donc on fait une découpe mais vraiment à quelques millimètres. C'est simplement pour retrouver des côtés bien droits. Donc on vient retrouver notre zip de 20 cm et il est conseillé, s'il s'agit d'un zip au mètre, de faire une découpe un peu plus large, donc prévoyez 4-5 cm de plus. Il nous suffit d'installer le curseur et de venir faire un point ici pour sécuriser la fermeture. Donc pour l'étape suivante, il vous suffit de retrouver l'ensemble de ces pièces, puis de retrouver les milieux de l'ensemble de ces pièces, y compris les milieux de la fermeture éclair. Donc on vient récupérer cette pièce de patron et on vient poser la fermeture éclair sur le dessus. On joint les milieux. On épingle le tout. Attention, le curseur doit se diriger sur la gauche. Et la fermeture éclair doit être sur l'envers. On vient faire une piqûre à 1 cm. Donc sur l'ensemble que l'on vient de coudre, on vient passer la doublure. On fait correspondre donc le petit côté de la doublure sur le haut de la fermeture éclair. Et on vient piquer à 1 cm.
Après avoir retourné l'ensemble, on vient donner un peu des coups de fer pour bien aplatir le tout et on fait une petite surpiqûre à 3 mm. Donc on retourne l'ensemble et on vient replier la doublure sur le haut de la fermeture éclair en joignant bien les milieux. Donc cela crée une poche, on vient juste faire une petite piqûre ici à 3 mm pour tenir cette poche. Donc on vient placer donc le côté le plus grand de cette pièce, endroit contre endroit. Et on pique cette fois-ci à 1 cm. Ensuite, on procédera à une surpiqûre à 3 mm. Donc on vient faire une piqûre à 3 mm ici. Cela va nous servir à maintenir la poche. Mais attention, il faudra bien démarrer sur la partie haute de la fermeture éclair. Bien entendu, placez le curseur au milieu avant de faire cette piqûre. On peut maintenant égaliser les côtés. Le designer nous conseille maintenant d'appliquer en fait cette partie du patron pour vérifier que notre pièce de tissu est bien à la même taille. Donc on retrouve les pièces de côté avant. Si vous voulez, vous pouvez retrouver les milieux et les faire correspondre. On vient les placer, bien entendu, endroit contre endroit. On réalise maintenant une piqûre à 1 cm, puis on pousse les marges de couture sur le côté et on réalise une surpiqûre à 3 mm.
Si votre mousse fait la même taille que votre pièce de tissu extérieur, il vous suffit de la coudre à 3 mm tout autour. Si ce n'est pas le cas et vous avez souhaité, comme moi, éviter de la prendre dans les marges de couture, il vous suffira simplement de l'entoiler. Donc après avoir entoilé les deux pièces, on vient venir, pour tout maintenir en place, faire une surpiqûre à 7 mm. On réalise cette piqûre sur les deux côtés des deux pièces, la face avant et la face arrière. Dans cette étape, on vient, si vous le souhaitez, c'est bien entendu optionnel, ajouter notre petite étiquette. Donc on vient faire maintenant une ligne centrale, puis on procède à un premier pli. Si vous avez utilisé du tissu, vous pouvez bien entendu utiliser votre fer à repasser. On vient procéder à une petite couture pour tout maintenir en place à 3 mm. Donc vous faites ceci sur les deux côtés. Puis on viendra par la suite glisser notre petit anneau avant de le replier encore une fois et de réaliser une petite piqûre. Donc on vient juste faire une ligne horizontale, juste ici, au plus près de l'anneau. Donc pour le placement des anneaux, il y a deux choix possibles, donc tout en haut ou sur les côtés. Pour les placer sur le côté, il est recommandé de mesurer, de faire une première marque à 2,50 cm du haut et de placer les connecteurs donc bien droits et non pas de travers. Ici, nous viendrons couper le surplus pour faire quelque chose de plus net. Mais il est très important de les placer bien droits. Et donc vous viendrez positionner de même le deuxième anneau à 2,50 cm. Donc si vous décidez de les placer sur le haut, vous devez mesurer 3,80 cm à partir de la pièce milieu. Donc je vais vous le montrer sur la vidéo suivante. Et on pourra ensuite les attacher à 3 mm. N'oubliez pas que le deuxième anneau doit figurer sur le panneau arrière. Les deux anneaux ne doivent pas figurer sur le même panneau.
Sur les deux pièces suivantes au niveau de l'envers, on vient réaliser un pli à 7 mm. Sur la doublure côté envers, on vient dessiner un rectangle de 18 par 1 cm. Attention, celui-ci doit apparaître à 5 cm en dessous du haut de la pièce et doit être centré. À 1 cm au niveau des petits bords du rectangle, je viens faire une petite marque et je viens relier ces petites marques avec une ligne centrale. Il ne me reste plus qu'à relier ces marques avec les coins des rectangles. Donc sur l'endroit, je vais venir épingler l'intérieur de la poche. Je vais la centrer et la positionner à 2,50 cm du haut de la pièce doublure. Et sur l'envers, je vais venir piquer tout le contour du rectangle. On vient couper la ligne centrale. Puis on vient couper les deux marques que l'on a positionnées pour relier les coins du rectangle. Attention, il ne faut surtout pas couper les piqûres que l'on vient de faire.
on vient pousser donc tout l'ensemble de la pochette par le trou. Donc il est recommandé ici de passer un coup de fer à repasser pour bien maintenir le tout. J'ai fait le choix de ne pas poser de fermeture éclair pour la poche intérieure, cependant je vous donne les indications pour le faire. Vous positionnez votre fermeture de 18 cm minimum, l'envers de la fermeture face à vous, le curseur doit aller sur la droite et vous la centrez sur le rectangle que l'on vient de réaliser. Et il ne reste plus qu'à piquer à 3 mm à partir des côtés du rectangle. On place maintenant la deuxième partie de la poche. Et on vient piquer tout le contour sauf le bas à 7 mm. Sur la fermeture éclair de 28 cm minimum, on vient réaliser un petit repère à 2,50 cm du début de la fermeture éclair. Puis on pince ce petit repère, ce qui va donner un effet courbé à la fermeture. On surpique de façon à garder cette courbe. À partir de la courbe réalisée, on vient couper l'excédent afin que la fermeture éclair soit égale à 26 cm en longueur. On trace une ligne centrale sur l'envers de notre coin de propreté. Puis on vient réaliser un pli. Puis un second pli.
on glisse l'autre côté de la fermeture éclair à l'intérieur de ces plis, puis on refait une pliure et on vient surpiquer ici à 3 mm. Et enfin, on vient découper le surplus de coins de propreté. Il est conseillé ici de retrouver les milieux de votre fermeture éclair, puis de venir les faire coïncider, la fermeture éclair sur l'envers, contre l'endroit de la pièce avant. Attention, le zipper doit aller sur la gauche. Et on pique à 1 cm. On vient récupérer la pièce de doublure où il n'y a pas la poche et on vient la placer endroit contre endroit. On réalise une piqûre à 1 cm. Donc je viens retourner le tout afin que la doublure se retrouve envers contre envers par rapport à la face avant et je viens faire une surpiqûre à 3 mm. Donc je place maintenant l'extérieur dos sur le haut de la fermeture éclair. Donc il se retrouve donc endroit contre endroit par rapport à la pièce avant. Et je viens faire une piqûre à 1 cm. Il ne nous reste plus qu'à passer maintenant la doublure avec la poche. Et on pique comme tout à l'heure à 1 cm. Comme précédemment, on vient positionner la doublure et on surpique à 3 mm. Pour l'assemblage final, on pense tout d'abord à ouvrir les fermetures éclair, donc la fermeture éclair principale et la fermeture éclair qui se trouve au niveau de la poche. On aligne bien tous les panneaux extérieurs ainsi que les doublures correspondantes. On fait bien attention à bien aligner tous les coins, toutes les bordures et bien entendu toutes les marges de couture que nous avons réalisées précédemment. Donc
Concernant la fermeture éclair, il faut bien positionner les dents de la fermeture vers l'extérieur de votre sac, de cette façon. Et pour les panneaux extérieurs, on vient faire une piqûre à 1 cm du bord. De même qu'ici. Et ici. Attention, pour la doublure, nous allons commencer par une piqûre à 1 cm que l'on va graduellement augmenter à 1,60 cm sur les côtés. Concernant le bas, il faudra coudre à 1,60 cm. Attention à cette étape de bien aligner les précédentes marges de couture. Et il vous faudra piquer à 1 cm du bord. Et il ne nous reste plus qu'à cranter à hauteur de 7 mm de partout. Attention, il ne faut surtout pas cranter l'emplacement des anneaux si vous les avez passés sur les côtés. Il ne nous reste plus qu'à retourner le sac par la poche. Faites bien ressortir tous les angles. Donc on vient replier maintenant notre petite poche et on fait donc une piqûre au plus près du bord. Donc pour la bandoulière, il y a deux choix possibles, donc tout en vinyle, en simili ou en cork, ou alors tout en tissu. N'oubliez pas d'entoiler si vous avez choisi le tissu. Donc pour le simili, on vient tracer une ligne centrale sur le mauvais côté du tissu et on vient procéder à deux plis de cette façon. On vient replier une nouvelle fois
La bandoulière doit faire 2 cm de large. Puis on vient piquer tout le contour à 7 mm. Si vous utilisez du coton, il vous suffit de placer les deux pièces l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et de réaliser une piqûre sur l'un des côtés, ici à 1,30 cm. On vient écarter les marges, donc il est conseillé évidemment d'utiliser le fer à repasser. Puis on vient plier donc sur les deux côtés de la bandoulière à hauteur de 1,30 cm. On réalise une ligne centrale sur l'envers. Puis on replie les longs côtés sur la ligne centrale. Il ne nous reste plus qu'à replier le tout encore une fois. Puis de réaliser une surpiqûre à 3 mm du bord. Il ne vous reste plus qu'à installer vos accessoires et votre bandoulière est finie.